Bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir que le plus bel endroit du monde est, où était, hélas, le bourg hollandais de Wonderwotemetis. Cependant, comme il n'est pas desservi par des grandes voies de circulation, il se peut que la plupart d'entre vous n'aient jamais eu l'occasion de le visiter. Sachez tout d'abord que le bourg de Wonderwotemetis a toujours existé, dès son origine, dans l'état exact où on le trouve aujourd'hui. Pour ce qui est de l'étymologie du nom Wonderwotemetis, je n'en trouve aucune qui soit satisfaisante. On peut à la rigueur privilégier l'hypothèse de Grogsvig, qui recoupe à peu près celle de Krauten Plenty, ce que nous donne Wonderwotemetis, Wonderlig, Wonderwotemetis, quasi unblätzig, plätzig, obsoletum problitzen. Mais je préfère vous renvoyer directement aux oratiunculi de Rebus Prater Veteris de Dundergut. Vous pouvez aussi jeter un œil dans Blunderbuss de Derivationibus, de la page 27 à la page 5010. In folio, édition gothique, caractère rouge et noir. Et du coup, profitez-en pour consulter dans le même ouvrage les notes en marge autographes de Stufunpuff avec les sous-commentaires de Grunton Gutzel. Le village de Wonderwotemetis est situé dans une vallée parfaitement circulaire, entourée par d'agréables collines dont les habitants ne se sont jamais aventurés à franchir les sommets pour l'excellente raison qu'ils ne pensent pas qu'il y ait quoi que ce soit, de l'autre côté. À la lisière de la vallée s'étend un rang continu de 60 petites maisons adossées à la colline et orienté vers le centre de la plaine. Chaque maison possède un petit jardin avec une allée circulaire, un cadran solaire et 24 choux. L'ameublement répond à un modèle unique. Le sol est pavé de tuiles carrées. Les cheminées sont larges et hautes. Et outre les choux, sculptés sur leur chambranle, elles supportent au milieu de leur tablette une véritable horloge dont on entend très bien le prodigieux tic-tac. Un grand feu brûle en permanence sous une énorme marmite remplie de choucroute et de porc que la maîtresse de maison surveille sans relâche. Les garçons, pour leur part, sont tous les trois dans le jardin. Ils ont chacun une pipe à la bouche et une toute petite montre ventrue dans la main droite. Et on tire sur la pipe, on regarde sa montre, on tire sur la pipe, on regarde sa montre, on tire sur la pipe, on regarde sa montre, on tire sur sa pipe, on regarde sa montre. On tire sur sa pipe, on regarde sa montre. On tire sur sa pipe, on regarde sa montre. La pipe, la montre, la pipe, la montre. On tire, on regarde, on tire, on regarde.
la toquante. Et maintenant, parlons du cochon. Le cochon, qui est corpulent et paresseux, s'occupe tantôt de glaner les feuilles tombées des choux, tantôt de s'attaquer à la montre dorée que les coquins ont nouée à sa queue. Juste devant la porte d'entrée se tient le maître de maison. C'est un vieux petit monsieur extrêmement bouffi, avec des yeux ronds et un énorme double menton. Sa pipe est plus grosse que celle des garçons et il peut faire plus de fumée. Comme eux, il a une montre, mais elle est rangée dans sa poche. À vrai dire, il a mieux à faire qu'à surveiller une montre. L'air grave, il garde toujours au moins un œil sur un objet fort intéressant situé au centre de la plaine, sur le clocher de l'hôtel de ville, la grande horloge de Van der Wotemitis. Merveille du village, car si les habitants du bourg sont friands de leur choucroute, ils sont fiers de leurs horloges. La grande horloge de Van der Wotemitis est dotée de 7 cadrans, un sur chacun des 7 pans du clocher, de sorte qu'on peut aisément l'apercevoir de tous les quartiers. Un homme est chargé du beffroi, et c'est l'homme le plus respecté du bourg. Les cochons eux-mêmes le considèrent avec révérence. À vrai dire, sa charge est la plus parfaite des sinécures, car la grande horloge n'avait jusqu'ici encore jamais eu besoin de ses services. En effet, depuis l'époque la plus reculée, les heures avaient été sonnées régulièrement par la grosse cloche et on était de même de toutes les autres montres et horloges du village. Quand le gros bâton jugeait qu'il était temps de dire midi, tous les serviteurs obéissants ouvraient simultanément leur gosier et répondaient comme un véritable écho. Midi, 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 midi. Dernièrement, les membres du conseil de Van der Wotemitis, qui sont tous très petits, très replets, très adipeux, très intelligents, avec des gros yeux et des vastes doubles manteaux, ont adopté ces 3 importantes mesures. 1. On ne doit en aucun cas changer le bon vieux train des choses. 2. Il n'existe rien de bon en dehors de Van der Wotemitis. Et 3. Nous jurons fidélité à nos horloges et à nos choux. In. In. Tu. Tu. Tva. Tva. On est va à nos guingas changer les bons vieux trains des choses. À nos guingas changer les bons vieux trains des choses. Il n'existe rien des bons à dehors des Van der Wotemitis. À dehors des Van der Wotemitis. Nous jurons fidélité à nos horloges. Nous jurons fidélité à nos horloges et à nos choux. À nos horloges, à nos horloges, à nos horloges et à nos choux. À nos horloges, à nos horloges, à nos horloges et à nos choux. À nos horloges et au vieux train des choses. Rien des ponts, rien des ponts, rien des ponts. Il n'existe rien des ponts. En dehors des horloges et de nos choux. On est fin, on est fin, on est fin. Et de nos horloges et de nos choux.
rocher. Il n'existe rien de beau, en dehors des vendeurs vendémitis. J'ai donc dépeint l'état heureux de vendeurs vendémitis. Hélas, quel malheur qu'un si ravissant tableau ait dû subir un jour un si violent bouleversement. Il était midi moins cinq, avant-hier, quand apparut une chose des plus étranges au sommet de la crête du côté est. Sur le coup de midi moins trois, on s'aperçut que le drôle d'objet en question était un tout petit jeune homme qui avait l'air étranger. Le gredin avait, outre son ricanement, quelque chose de sinistre dans l'apparence, et, tandis qu'il galopait tout droit vers le village, l'aspect tronqué de ses souliers ne fut pas sans susciter grande méfiance, et plus d'un habitant qui le contempla ce jour-là aurait donné cher pour jeter un coup d'œil sous le mouchoir de Baptiste blanche qui pendait de manière si agaçante de la poche de son habit à queue d'hirondelle. Mais ce qui causa surtout une indignation légitime fut que ce misérable freluquet, tout en esquissant un fandango par ici et une pirouette par là, ne semblait pas posséder le moins du monde la notion de ce que pouvait signifier suivre la mesure. C'est après l'horloge et le gardien du Berfois que le gaillard en avait. Oh, il manquait une demi-seconde pour qu'il fût midi. La cloche était sur le point de sonner. Et il manquait une demi-seconde pour que... L'affaire en est arrivée à ce lamentable point, je quittais de dégoût la place. Et à présent, j'en appelle à tous les amoureux de l'heure exacte et de la fille de choucroute. Marchons comme un seul homme sur le bourg et restaurons l'ancien ordre des choses avant de voter métis en précipitant ce petit drôle du haut du clocher. Thank you.
Thank you.